mieux par une belle journée ensoleillée de mai que d'aller passer son après-midi dans un marché aux puces. Non, on trouve vraiment de tout dans les marchés aux puces. Des Astérix, des Achille Talon, des Vierges Marie, des laminés de posters de films, des téléphones de toutes sortes, des vieilles caméras vidéo, des statuettes précolombiennes, des jeux de société de Star Wars, amenez-en. Ce qui est le fun aussi, c'est d'ouvrir tous les tiroirs puis de fouiller dedans. Non. Oh, ça pique! Oui, ça sent vieux. On ouvre les choses. Ça vient avec l'odeur. Regarde, c'est des pellicules. On a même des négatifs de souvenirs de voyage. Non, mais sérieusement, qui c'est qui veut acheter les vieilles photos de mon oncle Roger? Ici, on vendait des vieilles revues de photos de Madame tout nue que tu peux feuilleter tout en te flattant le toutou de chien. Ouh là là! Parlant de revues cochonnes, ici, on a l'édition octobre 86 du Playboy. Un spécial canadien. Le McDonald's. Un autre père. Un loup. Est-ce que ça me tente de manger du mignon? Non, c'est correct. J'ai été malade aujourd'hui. Ah, oh, mais c'est parce que... Au marché aux puces Saint-Michel, il y a aussi des affaires pas mal épeurantes. Hey, dans ce marché aux puces-là, il y a même un deuxième étage. Hey! Y'a personne qui m'a dit que collectionner des jouets pis des cartes, c'était une maladie. D'un autre côté, ça expliquerait bien les affaires sur ma vie sexuelle des 25 dernières années. Oh, on avait un comme ça chez nous à Laval. Pis ça venait avec des cassettes comme ça. Nicolas? C'est, moi, ce que j'aime dans ces endroits-là, c'est prendre mon pied. Est-ce qu'on va se perdre, tu penses? Est-ce qu'on va se retrouver? Dans les marchés aux puces, ils passent toujours les mêmes films qui passaient dans les après-midi des années 80 à TQS. Quand vous entendrez un bruit étrange, je dévoilerai. Ouais, et on dû retirer cette vieille affiche-là de Molson parce qu'elle contenait des messages subliminaux. Man, je vois des choses. Et une visite de marché aux puces sans au moins un disque de Céline n'en serait pas une. Non, mais sans farce, là. J'ai vraiment été surpris par tout ce qu'on peut trouver dans ce marché aux puces-là. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Fait que je vous conseille vraiment d'y aller. Le marché aux puces Saint-Michel, ça vaut le détour. Thank you.